Bonjour à tous, c'est Shoya. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Nouveau concept, je vais vous présenter donc un concours de dessin que j'ai fait sur mon Discord officiel. Donc voilà. Donc déjà un grand GG aux participants du concours. Donc ce concours a été fait le 26 novembre et s'est terminé le 9 décembre. Donc à peu près 2 semaines. Voilà. Je dirais. Je voudrais aussi, entre parenthèses, m'excuser si j'ai si je détruis des pseudos. Hein. Donc voilà. Parce qu'il y en a certains qui sont pas très faciles à, comment dire, à retenir et d'autres à redire. Voilà. Donc, déjà, nous allons commencer par le top 1. Bah, la personne qui a gagné. Yas Drawing. Pitié, me jugez pas sur mon anglais, voilà. Donc voilà, déjà, félicitations, super dessin. Je suis pas très bon, mais je crois que c'est la petite sirène. Voilà. Vraiment, tu as un sacré coup de crayon. J'adore vraiment la teinte que tu lui as fait au niveau des cheveux entre le clair et le foncé. Voilà. Alors juste un truc, alors je sais pas si tu... Comment dire? Attendez, je vais zoomer, hop, voilà sur le dessin. Alors, je sais pas si juste là, si tu vois ma... si on voit ma souris, voilà. Comment dire? Je sais pas, juste là, là. Est-ce que tu... c'est des cheveux ou c'est juste en fait le blanc de la feuille, tu vois? Si c'est une coupe de cheveux, je crois que tu l'as oublié. Si c'est pas ça, c'est juste la feuille, tu sais... Si t'as juste fait ça en fait, si tu vois ma souris, voilà juste une mèche. Un conseil, pour donner plus de profondeur aux cheveux, faudrait que tu colories cette zone blanche. Voilà. Si de toute façon, je sais que donc t'es sur mon Discord, si tu vois cette vidéo, je te répondrai correctement à ce que je dis. Voilà. Et comme je sais aussi que t'es youtubeuse dessin, donc voilà, je sais. Que tu me suis, donc voilà. GG vraiment. Donc si tu vois cette vidéo, mets un commentaire sous cette vidéo pour comment dire, pour que je t'explique en gros. Voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Vraiment sacré coup de crayon. Voilà, du GG. Pour dire tous ceux qui ont fait le concours, vraiment, je vais être honnête, j'aurais voulu me mettre en top 1. Voilà. Voilà. Je vais donner une astuce aussi en fin de vidéo. Donc voilà. On va passer maintenant au deuxième dessin du concours. Hop, alors, parce que, hop là, voilà. Donc, fait par Poïta. Donc, vous vous inquiétez pas pour les dates, c'est juste parce que j'ai fait un screen sur le Discord. Voilà. Donc, elle a fait un petit chat qui fait du théâtre. Alors, pour vous dire, j'ai beaucoup aimé son dessin. Voilà, il y a vraiment beaucoup de détails. Au crayon de papier, vraiment. Comme tous les, je crois, tous les dessins qui ont été faits. Voilà. Alors, vraiment, je le trouve magnifique. Pareil, vraiment, félicitations à toi, Pouita. Voilà. Je sais que toi, tu es aussi une administratrice du serveur, donc vraiment GG. Tu t'es vraiment beaucoup amélioré tes premiers dessins. Donc voilà, vraiment GG à toi. Voilà. Pareil, je donnerai aussi des astuces. Donc voilà. Donc vraiment, GG. Alors, ce qui manque aussi, ce que je voulais dire aussi, Poïta, il te manque un truc sur ton dessin. Rien de grave, il te manque juste ta petite signature. Voilà. J'avoue, j'avais oublié de le préciser sur le concours, mais vraiment, peu importe. Mais ce serait donner son nom d'artiste en gros, dire voilà j'ai fait, je sais pas, comme moi quand je fais mes dessins, je le signe Shoyotaku. Voilà. C'est juste pour le plaisir. Donc, GG à toi, félicitations, top 2. On va passer maintenant au top 3. Donc le top 3, hop là, qui est Drama Wolf, lui aussi est youtubeur, donc GG à toi. Voilà, petite signature juste là, là où vous voyez mon curseur de souris. Alors lui comparé, il n'a pas de ce que je vois, hein, comparé aux autres dessins. Hein, hop, hop. Comparé au premier, vous voyez, il y a vraiment un style.
je sais pas, crayon de papier assez gras, vous voyez, crayon de papier. Je sais pas, comme si ils ont mis, je sais pas, vous allez, vous taillez votre crayon, vous mettez votre doigt et vous le frottez sur la pa sur le papier. Donc ça fait un peu de l'ancrage, entre parenthèses. Voilà. Pareil, le même système aussi avec Poeta, hein, j'ai remarqué. Même si même Poeta, on voit vraiment beaucoup. Ça se voit, t'as forcé légèrement là. Ça, on voit vraiment, ça fait un petit dégradé. En fait, on dirait presque qu'en fait, ton dessin, en fait, le rideau, te fait. Comment dire? Une couleur. Voilà. Petite. Petite explication. Voilà. Donc, on va passer maintenant donc, à Dramo. Donc, Dramo nous a fait. Alors, excuse-moi, Dramo. Je sais pas du tout si ça vient d'un manga ou d'un jeu vidéo. Donc, pardonne-moi. Alors, vraiment. Alors, je vais essayer de zoomer parce que toi, tu l'as vraiment fait au crayon de papier. Donc, excusez-moi pour la qualité du dessin. Alors, on voit un chevalier avec des cornes, un gladiateur, je crois, avec un homme loup. Donc je pense, vu son pseudo, qu'il adore les loups. Hein, on est deux. Voilà. Toi aussi, tu es sur mon Discord, donc GG. Voilà. Tu t'es vraiment beaucoup amélioré. Pour dire, tu m'envoyais plein de dessins, même avant le concours. Vraiment, vraiment GG à toi. Vraiment, je t'applaudis parce que tu as vraiment fait beaucoup d'efforts. Et aussi, ça te demande. Comme je sais aussi que j'ai lancé le concours vraiment encore en période scolaire, pas pendant les vacances. Je vois que les vacances c'est cette semaine, hein, parce que voilà, on est le 14, donc voilà, 14 décembre. Donc la semaine prochaine c'est Noël. Donc voilà. Vraiment, je crois que ton dernier dessin c'était le mois dernier, je crois. Donc en l'espace même pas de un mois, tu t'es vraiment, vraiment amélioré. Donc GG à toi. Voilà, donc j'applaudis. Voilà, j'applaudis. Vraiment les mains, même tu vois, parce que dans le dessin, hein, pour ceux qui regardent la vidéo, le plus complexe dans le dessin, pour ma part, hein, c'est les yeux et les mains. Surtout au niveau des articulations, des doigts et tout ça. Vraiment GG. Alors je vois juste un truc, un petit détail. Alors, c'est moi, hein, je chipote pour les détails. Là, juste là où tu vois mon cursor de souris, fais attention parce qu'on dirait qu'il y a un bout qui s'est effacé. Voilà. Mais honnêtement, GG, on voit vraiment les mouvements et la situation de plein combat. Ce qui aurait bien, honnêtement, Dramo, mais un peu plus de relief. Ce que je veux dire, tu vois un peu de. Mince, comment on pourrait dire ça? Au niveau de l'armure, tu vois un peu plus de brillance, tu sais. Comme si c'était du vrai, du métal. Pareil pour les épées. Voilà. C'est un petit avis de ma part. Aussi, au niveau du nez du loup, fais-le noir. Voilà, c'est un avis. Voilà. Après, vraiment, GG. Voilà, pour le troisième. Vraiment, GG. Alors, on va passer au quatrième. Alors, Tutti. Tutti. Tu m'as envoyé ça, honnêtement. Je peux te dire, t'as un sacré coup de crayon. Mais par pitié. Le seul point négatif que j'ai à dire sur toi, Tutti, le prends pas mal, mais évite de le faire. Alors là, je vais vraiment te le dire parce que moi aussi j'ai fait des concours de dessin. Un conseil, ne le fais pas sur une feuille de devoir. Surtout ton devoir de français, de ce que j'ai compris. Ne le fais pour la prochaine fois. Ne le fais pas sur une feuille de devoir. S'il te plaît. Voilà, prends une feuille, même si c'est juste une fleur que tu fais ou un végétaux. Par pitié, ne le fais-le sur une feuille, pas sur une feuille de tes devoirs. Voilà, c'est le seul point négatif que j'ai à dire. Voilà. Alors, voilà. Donc honnêtement, Tutti nous a fait, je crois. Alors, désolé pour comment dire, la qualité, hein, parce que je vais éviter de, s'il y a un prénom, etc., de cacher. Hein, donc voilà, je vais marquer. Voilà, on va rester juste ici. Alors, Tutti nous a fait une branche avec des fleurs à droite. Et alors, à gauche, alors, excuse-moi Tutti, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des roses? Tu pourras me dire ça en commentaire sous la vidéo ou alors dans les commentaires YouTube, pardon, Discord. Donc voilà. Pour ma part. Voilà, t'as quand même un bon coup de crayon. Même si c'est très simple. C'est très très simple. T'as un coup de crayon, je suis désolé.
On voit là, tu vois, on voit vraiment là où il y a ma souris. Je sais pas si on la voit dans cette vidéo, la souris, mais on voit vraiment la ligne marron. Pareil pour là, on la voit bien avec certains détails des feuilles. Alors, ouais, je m'excuse hein, parce que plus on zoome, plus la qualité voilà est assez dégueu, entre parenthèses. Donc voilà. Ce qui manquait aussi, ça serait surtout. Alors, j'ai oublié de le préciser jamais, aussi dans le concours. Une biographie. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais corriger ça pour le prochain concours. Voilà. Donc, vous aurez juste à m'envoyer votre dessin, mais aussi une petite biographie. Donc, comme ça, je le screenerai en même temps que la biographie. Donc, voilà. Parce que je ne sais pas du tout ce que le rouge représente. Est-ce que ça représente l'été, le printemps? Voilà. Je sais pas. Est-ce que tu aimes juste parce que tu aimes le vert ou le rouge? Si tu aimes le vert, GG, parce que moi aussi, c'est ma couleur préférée. Voilà. Petit point. Voilà. Donc, honnêtement, non, vraiment, GG. Voilà. Le seul point négatif que je te dis, Touti, évite de le faire sur tes devoirs. Voilà. Point. Alors, petite aussi anecdote sur les 3 dessins, le 4 dessins, pardon. Je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous avez du matos spécial. Moi, je sais que j'utilise de l'encre de Chine, comme vous le savez, quand si vous regardez mes vidéos. Moi, j'utilise de l'encre de Chine, honnêtement. Voilà. Ça coûte pas très très cher. Mais j'avoue, faut savoir s'en utiliser. Voici un petit exemple sur un dessin. Donc, j'ai fait Kirito, je crois. Voilà, c'est ça, Kirito. Donc, vous voyez, alors, la différence entre le crayon de papier, vous voyez, le dessin de Dramo, de Poïta et de Ilias Drawing, pardon, excuse-moi pour ton pseudo, c'est qu'en fait, vous utilisez que du crayon de papier, ce qui est très bien. Ce qui est très très bien, hein. Voilà, je vous le dis. C'est juste qu'en fait, avec de l'ancrage, hop, on va revenir, c'est qu'en fait, ça ressort plus. Vous voyez, les détails ressortent plus. Voilà, donc ça c'est la première étape que moi je fais, j'encre. Voilà, j'encre mon dessin pour donner plus de relief, plus d'expression. Grosso modo. Après, moi la deuxième étape que j'utilise c'est celle-ci. Là vraiment, j'encre vraiment tout. En fait, quasiment tout. J'encre surtout les ombres, très important. C'est pour donner encore plus de relief. Donc, si vous avez vu mon dessin de Kirito, vous avez bien vu que j'ai mis de la couleur, même si je sais que certains sur mon Discord l'aiment beaucoup en noir et blanc. Hein, donc voilà. Pour ma part, je l'ai aussi. Je l'ai re-refait, donc il est comme ça. En gros. Voilà. Donc, en gros, ce que je vous propose. Alors, toi aussi, Dramo. Alors, voilà, Dramo, Puita et Yas Drawing. Pardon pour le pseudo. C'est qu'en fait, la prochaine fois que vous participez au concours, dans un concours de dessin, pensez au pire à ancrer. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas d'encre de Chine, pardon, je vous autorise à utiliser les moyens du bord. Donc, je sais, le stylo noir. Voilà, le stylo noir, ça passe. Vous inquiétez pas, je ne vous pénalise pas. Pardon. Je vous ne pané. Oh, j'arriverai pas à le dire, désolé. Ma langue fourche. Je vous mettrai pas moins un point sur votre dessin. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc honnêtement, voilà. Pareil pour toi aussi, Poïta. Comment dire? Encre aussi. Voilà, ton dessin. Surtout les petites pointes que tu fais, la petite décoration de ton chat et la bulle, tout ça. Pareil. Si tu veux le faire en noir, encre-le. Alors après, au pire, fais-le aussi, comme je disais aussi à Dormo, feutre noir. Voilà, aussi, j'ai oublié cette anecdote, feutre noir. Voilà. Hop, pareil aussi pour Yas Drawing, encre d'Okchine ou feutre noir stylo. J'admets qu'en crayon de papier, ça rend très très bien, je vous dessins. Mais avec un tout petit ancrage, sérieusement, avec un tout petit ancrage, ça donnera encore plus de relief. C'est un avis personnel, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous descendre en flèche, pas du tout. Vous avez fait un super travail, je le dis et je le re-redis. Voilà. Pareil, juste un tout petit ancrage, parce que tu vois, Yas Drawing, là, je ne sais pas du tout si c'est en fait, c'est le papier ou alors c'est vraiment la courbe de ton dessin. Tu vois,
juste là. Moi, je sais pas si c'est en fait la mèche ou alors c'est la continuité de ton dessin ou la feuille, j'en sais rien. Donc c'est pour ça, je dirais vraiment, voilà, fais un ancrage pour mieux détailler. Voilà. Et en plus, ce qui est bien avec l'ancrage, c'est que vous voyez, si je retourne sur un de mes dessins, vous voyez, oula, on va passer, voilà, juste lui. Si on zoome, vous voyez, on peut vraiment bien voir les détails, l'expression du dessin du personnage. Donc voilà, pareil pour le deuxième. Donc surtout, si vous voulez un modèle, prenez cette vidéo et mettez sur pause. Hein, vous inquiétez pas, hein, mettez-la sur pause. Donc voilà. Donc voici pour mon avis. Alors, ce que je voulais dire aussi, parce que comme on parle de concours de dessin, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils ont en fait gagné? Eh bien, ils ont gagné en fait que je présente leur travail, parce que je sais très bien que ça a dû être compliqué pour certains. Ils ont dû passer peut-être beaucoup de temps, peut-être recommencer plusieurs fois leur dessin. Donc, leur récompense, pardon, leur récompense, c'est en fait que je leur présente le dessin sur ma chaîne YouTube, parce qu'ils le méritent. Voilà. Même si je sais que Yes Drawing a une chaîne YouTube, que Dramo aussi est aussi, je crois, YouTuber, mais il fait pas beaucoup de vidéos. Donc voilà. Si j'ai oublié quelques trucs, je ne sais plus. Au pire, vous me le direz dans le commentaire. Donc voilà. Alors, je vais aussi vous annoncer sur YouTube. Parce que je sais que comme il y en a certains qui me suivent aussi sur mon Discord et mon Twitter. Et mon Instagram, je crois. Je vais faire un deuxième concours de dessin. Voilà. Comme vous le savez, la semaine prochaine, donc nous sommes la veille de Noël, donc le 24 au 25 décembre. Donc, le concours de dessin spécial Noël commence. Donc là, vous savez, on est mardi, donc a commencé le lundi 14 décembre. Il se finira le 24 décembre à 17h30. Voilà. Donc, tout ce que je demande, déjà, voici certains trucs que j'ai réfléchi avec certains administrateurs du Discord. Premier, c'est qu'en fait, je ne serai plus le seul juge du concours. Déjà, toutes les personnes du serveur participeront au vote. Imaginons, voilà, Yes Drawing, imaginons, je sais pas, là il y a des petits emojis. S'il y a 5 emojis, 5 emojis, c'est là qu'elle a 5 points. Voilà. Et moi, à la fin, vraiment à la fin, c'est-à-dire, mais vraiment au dernier moment, le 24, voire le 23, le 23 décembre, moi je donnerai mon point. Donc, moi seul, comment dire, je pourrais dire qui est le premier, le deuxième, le troisième. Voilà. Donc, je sais aussi qu'il y a aussi d'autres personnes qui voulaient participer au concours. Donc, si vous regardez ces vidéos, allez-y, commencez vos dessins parce que voilà, je sais que ça va être Noël, donc il y aura beaucoup moins de disponibilité avec les personnes parce que c'est les fêtes de fin d'année, parce qu'il y a aussi le jour de l'an qui va arriver. Donc voilà. Donc, n'oubliez pas la date du prochain concours spécial Noël, donc c'est du 15, pardon, du 14 décembre au 24 décembre. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est pour le concours. Je veux aussi dire une petite annonce aussi entre parenthèses. Je sais que ça n'a rien à voir avec ma chaîne des dessins. Entre parenthèses, voilà. Information. Alors, comme vous le savez, je prévois toujours des vidéos de dessin le mardi et le jeudi. Et mes vidéos gaming sur Shoei Otaku Gaming le lundi, mardi, non pardon, lundi, mercredi et vendredi. Donc voilà. Faites attention, à partir de la semaine prochaine, comme c'est les vacances mais aussi bientôt les fêtes, il n'y aura pas beaucoup de vidéos YouTube, que ce soit sur ma chaîne de dessin ou ma chaîne gaming. Voilà. Je ferai de toute façon une vidéo information sur ma chaîne gaming. Donc voilà.
Donc vous inquiétez pas s'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne de dessin ou la chaîne gaming. Voilà. Donc je vais éviter aussi de dire certaines informations. Voilà, parce que certains sur Discord sont au courant, je fais une FAQ, mais je n'en dirai pas plus sur le sujet. Voilà, donc c'est pas la vidéo pour, hein, pour faire une FAQ, entre parenthèses. Donc voilà. Vraiment GG aux 4 participants. Donc merci d'avoir participé. Yazdraing, Poïta, Dramowolf et Tutti. Donc voilà, GG à vous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas les commentaires, le pouce bleu, surtout la cloche de notification. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, ou alors vous avez d'autres aussi, d'autres thèmes sur le concours, parce que là c'est spécial Noël, donc voilà, c'est normal. Mais au mois de janvier, je prévois aussi de faire, grosso modo, chaque mois, un concours. Voilà. Bien sûr, je suis assez aussi chargé de ma vie privée, donc quand j'aurai le temps, je lancerai chaque mois un concours de dessin. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Donc voilà, cette vidéo s'arrête, hein, voilà, se termine. Donc je vous laisse. C'était Shoyotaku, je vous dis à plus et surtout bon Noël, bon jour de l'an et prenez soin de vous. Allez, salut, bye!